Aujourd'hui, pendant que nous parlons, Monsieur Cédric Mangungu est sur une chaise roulante avec des béquilles, tout simplement parce que il a manifesté devant le Parlement pacifiquement. J'insiste, c'était une manifestation pacifique, lancée SOS à toute la nation congolaise, à tous les Congolais, partout où vous vous trouvez. Partout où vous vous trouvez, venez au secours de Cédric Mangungu. Cet homme n'a rien fait. Il n'a fait que combattre le bon combat pour le changement en RDC. Biso ba yila muka na mukola 22 avril ce sengi ki te tobima na balabala liboso ya ensemble to revendiqué ezalaki manifestation moko pacifique mais la grande surprise to mona ki ba tuya monsieur Chilombo ba militant na ye ba yaki ko agresser biso liboso ya ensemble national ezalaki vraiment agressé et après to jaki bon ya ko zonga na kati ya siège na biso po ete siège eza à 300 mètres ya palais du peuple. Tant que zone na kati ya siège, à la grande surprise, ba elema la police na ya PM eza FRDC ba ye na ba arme ya fe, ba bandi ko tirer sur biso, ba buki porte oyo ya biso ya siège, ba escalader ba mur, ba koti na kati, ba piller et ba kutana ki na ngai na porte ya bureau, ne na za exora ki victime ya deux balles na tibia et panza ki nga tibia pe na peroné. Nazaki interné pendant 5 mois en hôpital à Kanko. Je vous supplie, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Je veux que cette vidéo soit virale. Au nom de la nation, au nom de la République démocratique du Congo, au nom de l'amour que nous donnons à notre nation, nous ne voulons pas que ce jeune homme soit un martyr. Pendant qu'il parle encore, pendant qu'il est même prêt à continuer le combat, aidez-le à recouvrer sa santé, qu'il ait de l'argent nécessaire pour aller à l'hôpital. Un 5 euros, un 10 euros chacun, un 20 euros, envoyez à ce numéro, je ne sais pas si c'est Airtel ou c'est... Prenez contact, envoyez-lui de l'argent. E-Canal Télé va aussi réserver son enveloppe. Mais nous vous demandons, vous, Congolais, qui êtes à travers le monde, parce que je vous recommande que cette vidéo puisse circuler à travers le monde, aidez ce jeune homme qui n'a fait que combattre pour le bien-être de tous. Frola qui vraiment liwa. E-Canal Télé, Ezabo Sengabino, Botchali Boko à la patte, comme on dit. Botchali Boko na poche, Bo Edende Konabiso. Bozan a numéro na ye, Yango Ezo défilé awa. Bo bengaye, ceux qui Western Union, ceux qui na Airtel, moyennos oboko tinde le mbongo, botinda, botinda. En tout cas, biso i kadal télé, pe tozan enveloppe na biso, toko tinda. Bonjour, chers amis de i kadal télé, nous sommes encore une fois revenus vers vous avec une émission quelque peu spéciale. Vous comprendrez pourquoi nous sommes là cet après-midi, je dirais. Et je voudrais vous le dire tout de suite. Nous sommes là, comme disent, comme parlent d'ailleurs les images qui sont derrière moi. Nous venons avec un cas où nous avons titré cette émission SOS en faveur de Cédric Mangungu de Lamuka Essidé. E-Canal Télé se donnait comme devoir, comme obligation civique de venir auprès de vous avec ce cas. C'est un cas malheureux qui est arrivé à ce compatriote Cédric Mangungu, qui est l'un des coordonnateurs de Lamuka Essidé. Tout s'est passé, ces images que vous voyez là,
C'était un événement, un sit-in que la Mouka avait prévu. Vous voyez M. Cédric en veste et avec chemise carré-carré comme leader au devant. Vous le voyez là-bas. C'était en avril passé que la Mouka avait décidé de faire un sit-in au niveau du Parlement pour exiger le Parlement à revoir, en tout cas, les dispositions légales pour lesquelles la Mouka s'est décidé d'aller faire le sit-in. Et ça, c'est un devoir normal de tout citoyen, d'aller devant le Parlement et de revendiquer ses droits. La Mouka, ce jour-là, a fait son devoir de résistance ou d'opposition parce que la Mouka n'était pas d'accord avec la loi sur certainement la CENI ou quoi. Mais en tout cas, la Mouka n'était pas d'accord avec la loi qui a été votée au Parlement. Et ces jeunes gens qui font la Mouka à Kinshasa sont allés faire le sit-in, qui ne devraient pas demander cette présence militaire. Vous voyez des hommes, des manifestants de la Mouka non armés, qui étaient mains vides et qui n'utilisaient que leur bouche pour chanter, pour revendiquer. Mais ce jour-là, M. Cédric Mangungu s'est vu dans une situation de vie ou de mort. Les militaires qui ont pris d'assaut ce lieu ont pourchassé ces jeunes gens et sont allés jusqu'à l'extrême. Ils ont tiré des balles réelles sur les manifestants de la Mouka. Et ce qui est arrivé, c'est que aujourd'hui, pendant que nous parlons, M. Cédric Mangungu est sur une chaise roulante avec des béquilles, tout simplement parce que il a manifesté devant le Parlement pacifiquement. J'insiste, c'était une manifestation pacifique. Ce n'était pas des gens armés. Vous pouvez voir les gens qui sont devant votre écran là-bas. Je peux déplacer un peu mon image pour que vous puissiez voir. Les manifestants de la Mouka n'étaient pas armés pour que des forces militaires viennent contre eux. Je crois que c'est Cédric. Non, je ne voudrais pas confondre l'image. Dans l'autre image, je vais vous le montrer. C'était le coordonnateur de la Mouka. Et il était en tête de ce mouvement. Mais cela ne justifie pas ce qui est arrivé. L'homme s'est fait tirer deux balles. Alors, pas une, deux balles sur le pied. Et il est tombé normalement. Je devais vous mettre les images de là où on a broyé sa jambe avec deux balles réelles. Lui-même nous a accordé une interview. Vous allez suivre ce jeune homme qui n'a fait que se battre pour son pays. Il n'a fait que combattre le bon combat de tout citoyen. Il n'a fait que revendiquer ses droits. Mais nos forces de police, le voici, c'est M. Cédric. C'est M. Cédric qui était non armé, en train de scander des slogans pour faire entendre juste la voix de la Mouka Essidé. Mais la police congolaise s'est permise de lui tirer des balles réelles, deux balles réelles. Je me suis tout simplement interdit de mettre les images où Cédric Mangungu
était ensanglanté, en sang sur le sol. Je crois ce jour-là, il a frôlé la mort. Vous allez le suivre, vous allez l'entendre dans la vidéo que je veux mettre ici. Il a accordé l'interview à iCanal Télé qui est allé le voir. Et ce que je veux encore vous dire, c'est que Cédric Mangungu se trouve dans une situation alarmante. D'abord, il a passé 5 mois à l'hôpital. Mais depuis qu'il est sorti, l'homme n'a plus de moyens. Notre compatriote n'a plus de moyens. Il ne sait plus rentrer à l'hôpital pour se faire soigner sa jambe. Et la jambe commence quelque peu à pourrir. Vous imaginez ce jeune homme qui a tout son avenir, mais juste un militaire qui n'a jamais d'ailleurs été interpellé, a tenté de mettre fin à sa vie. Et aujourd'hui, cet homme a du mal à se déplacer, non seulement à se déplacer, mais par faute de moyens, par faute d'argent, ce combattant de la liberté est en train de voir sa jambe pourrir à ses yeux. Je ne pouvais pas aussi vous proposer ces images. Parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur que je ne pouvais pas vous proposer ces images. Comprenez la chose. Le fait que iCanal Télé a récupéré cette situation, nous avons estimé que c'est de notre devoir civique que de venir parler de ce cas et de lancer un SOS à toute la nation congolaise, à tous les Congolais, partout où vous vous trouvez. Partout où vous vous trouvez, venez au secours de Cédric Mangungu. Cet homme n'a rien fait. Il n'a fait que combattre le bon combat pour le changement en RDC. Mais pour avoir fait ce qu'il devrait faire, ce que tout citoyen doit faire, il s'est vu tirer 2 balles sur sa jambe. Et aujourd'hui, sa jambe est en train de pourrir parce que notre compatriote n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. C'est pourquoi je vous demande, vous de la diaspora, vous qui êtes, vous Congolais, vous qui êtes à travers le monde, vous qui combattez aux côtés des FARDC, vous qui aimez ce pays, venez au secours de ce jeune homme. Son numéro de téléphone est affiché. Appelez ce jeune homme. Envoyez-lui de l'argent. Il en a réellement besoin plus que jamais. Ce compatriote, heureusement que Dieu continue à lui donner la vie. Faisons un effort que cette jambe ne continue pas dans cet état. Parce que si ça continue comme ça, le sang peut monter et atteindre le cœur, notre frère peut mourir. Comprenez, c'est ça être une nation. Venons au secours de ceux qui donnent leur vie comme ça pour le changement en RDC. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, des caméras qui quittent la prison, mais un innocent comme ça, on lui tire une balle et je suis convaincu qu'il ne pourra plus évoluer, même si il est soigné, mais il sera désormais un infirme toute sa vie. Pour avoir combattu seulement pour les libertés en République démocratique du Congo. Je vous supplie, chers téléspectateurs de iCanal Télé, je vous supplie, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo, je veux que cette vidéo soit virale. Au nom de la nation, au nom de la République démocratique du Congo, au nom de l'amour que nous donnons à notre nation, nous ne voulons pas que ce jeune homme soit un martyr. Pendant qu'il parle encore, pendant qu'il est même prêt à continuer le combat, aidez-le à recouvrer sa santé,
qu'il ait de l'argent nécessaire pour aller à l'hôpital. Un 5 euros, un 10 euros chacun, un 20 euros envoyé à ce numéro. Je ne sais pas si c'est Airtel ou c'est... Prenez contact, envoyez-lui de l'argent. E-Canal Télé va aussi réserver son enveloppe. Mais nous vous demandons, vous Congolais qui êtes à travers le monde, puisque parce que je vous recommande que cette vidéo puisse circuler à travers le monde, aidez ce jeune homme qui n'a fait que combattre pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, ce frère serait quelque part dans les oubliettes de l'histoire. Mais Dieu merci, il est encore vivant et il est prêt à combattre. Je ne voudrais pas vous en dire plus. Je préfère vous le laisser avec notre reporter à Kinshasa, Louison Baloukou, avec l'interview qu'il lui a accordée. La voici, je vous laisse avec Cédric Mangungu pour que vous l'écoutez, vous puissiez l'écouter lui-même. Je vous en prie. Mbote bandeko balandi nyonso ya e-canal télé tozali bongo na Lemba toyoko kutana na mwana mboka Cedric Mangungu oyo azali moko ya ba résistant ya Lemba ya SID e nalingi tobeta mwa lisolo tobeta na ye oyo tokutani na ye lelo nde nakopesa nanu parole na mwana mboka Cedric Mangungu boyoka ye boyoka eloko nini oyo lelo e-canal télé eye komemela bino. Mbote mwana mboka Cédric. Bote mopanzi sango, merci beaucoup na ndenge oyo kolandanga ti na ndako awa na sepeli mingi, vraiment merci. Kokuta yo na état ya passe oyo mabende babeki chaise roulante, est-ce que ezaleki nini oyo esali ke yo o se retrouver lelo na état oyo? Bon, ezalaki mokolo ya vendredi le 22 avril. Tozalaki na manifestation so politique ou zali sitting, il fallait to kende na liboso ya Assemblée nationale pour to senga consensus pour ete ma ponami ezo sala mo problème e belé na Congo, tozala problème ya crise de légitimité na politique ya Congo. Pour na le ma ponami ezalaki na 2018 mutu oyo peuple congolais ponaki na ba député au peuple congolais ponaki à la grande surprise bangote babimaki. Mpona koboya susu mbilinga mbilinga wana ese repete yango esengaki bakongomani nyonso tu tosangana tosala consensus po ete ema biso na ba reforme electorale po ete maponami oyo ya tour oyo etombe lisusu te na mbilinga mbilinga oyo elekaki ya 2018. Nde yango wana biso bayi lamuka na mokolo ya 22 avril tosengaki ete tobima na balabala liboso ya ensemble to revendiquer. Ezalaki manifestation moko pacifique, mais à la grande surprise tout le monde qui tout ya monsieur Chilombo ba militant na ye ba ya ki ko agresser biso liboso ya Assemblée nationale. Ezalaki vraiment agressé et après tout déjà qui bon ya ko zonga na kati ya siège na biso pour être siège à 300 mètres ya palais du peuple. Tant to zonga na kati ya siège, à la grande surprise ba élément la police na ya PM ya FRDC ba ye na ba arme ya fe ba bandi ko tire sur biso ba buki porte oyo ya biso ya siège ba escalade ba mire ba koti na kati ba pie e ba kutanaki na ngai na porte ya bureau nde nazalaki zwaki victime ya 2 balles na tibia epanzaki nga tibia pe na peroné. Nazalaki interné pendant 5 mois na hôpital à Kankokolo na makasi ya le président Eli Martin Fayulu na pesi mbote na CG de Fos Kitoko na pesi pe mbote na bandeko nyonso to ya parti banda na diaspora mama Marie José na Toulouse papa Jean-Jacques Gangouège baza vraiment mo ebele mo to tanga kombo mingi eza te pe na bandeko na nga ba resistant nyonso to ki chasse vraiment tozalaki vraiment ensemble ne na opesa bango nyonso tout mbote pe merci na o tout basali pona ngai bomo na nga na eta o pona frola ki vraiment liwa na komba o to pona komba o to pona ya komba mo noble. Tozomona lelo Patrice Emery Lumumba lelo bakombo na ye eza partout na mokili mpo akomba oyo asala. Tozomona lelo president Eli Martin Fayulu akomi mpona komba oyo ya mena biso pe toza toujours kaka nsima na ye tokwesa bendele te taba resistant tozaka toujours na komba wana lelo ememi nga lelo na chaise roulante mais ezaka ba realité komba. Merci beaucoup mwana mboka.
naibite lelo tozawa tomoyo na ndako wa eta oyo naibite soki eza na bato oyo bazolanda yo bako soki naibite soki eza na message nyo kopesa bato par rapport ya ndenge eza na ndako boye ke ezosenga nini ezoloba nini bon naibite soki eza na eloko moko loba na bato oyo nyonso tu ba resistant oyo nyonso tu bazolanda yo lelo soki eza na eloko nini oyo ezosenga Merci beaucoup mon amboka. Ils ont joué les capitaines au moment où il a passé. Ils ont facilité. Yo mto bandai ko tambola. Oko manaita ou yama bende na lokolo. Ozo ko aso tambola te. Ils ont passé. Ne bande ko tout ou tout ça na bango lit ensemble. Ou ba yebi ngai na bibi lili ou yebi ngai na komba ou pe ba yebi ngai te peut-être ba yo kaka na kombo. Ego salama la mou mingi. Ceux qui n'ont pas d'encouragement à Bino, dans un numéro de téléphone, où ils allient 082-81-81-814. Donc 082-81-81-814. Ceux qui ont bien dit, tous sont toujours ensemble. Bisous, tous sont toujours dans Bolingo. Merci beaucoup. En plus, c'est là, dans un peu sous président et la structure, où ils allient force du peuple, tous sont toujours. Toujours en front. Bisous, tu auras vraiment battu front. Tu auras toujours en front le président Eli Martin Fayulu. Merci beaucoup. Ouais, bandeko balandi. Bon, tu as bongo na lemba, na rappelé bino, tu as na lemba. Tu as na ndeko, na bisounde nga bete bino di solo. Mais, na moni azana na batumi balé. Li bosso na ye, na ko pesa bango mikro ba se présenté. Ba lo ba peyo, mwa mouke, ba zan mwa koloba. Mbote ndeko. Ouais, mbote mwa na mboka. Kombonani opesi bi mwa structure na ndenge ya lamuka na ebike ozana kati ya bitumbango. Ouais, merci beaucoup mon amboka. Moi je réponds au nom de Kadiamba, l'un des coordonnateurs ya ICD résistant ya Lemba. On a été parmi les gens qui ont assisté na le 22 avril lors de notre sitting du Bosso ya Palais du Peuple et on a vu ce qui s'est passé donc il n'y a rien à dire, vous avez bien venez d'attendre ce que le cordon a dit. Donc c'est bien clair, je n'ai pas ajouté là-dessus. Et Nazamwana Lemba, ce combat est noble. On soutient toujours le président élu Martin Fayulu. On est derrière lui. Et Tozolanda vraiment baïdé naïe. On est derrière lui. Donc comme je viens de dire. Toujours mener combat Oyo, donc jusqu'à ce que notre pays, on va libérer notre pays aux mains des occupants. Donc c'est un peu ça ce que j'allais à dire à votre question. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, passez Zali, quand la ndeko na biso zaki bo ne biso nyonso tout mais tala e komi ya babeki banini. Mais ndeko mbote na ebite ou se présenter par rapport ya ndengo Zali na lamuka to na résistance na Merci moi na mboka pe mopanzi sango ngai kombo na ngai ndeko ngate ke fiston nazali kombata na kati ya lamuka PSD et longona coordonnateur na biso CD kimangungu naza victime ya kanaye ka oyo azui yango na nda kute kasazui yango pona toujours etumba ya mboka wana biso topona yango pwete tomoni vision peba proposition ya président Eli Wazali chef de l'État président Martin Fayulu pour épouser biso vraiment qui est au côté na kati ya liti oyo pote n'importe qui te akoki kozwa kombo ya chef lokola président Eli Martin Fayulu pour chef azali mutu moko fazala d'abord conseiller fazala éducateur fazala formateur pe en plus fazala oyo yazo sala azali lelo yango epusaki nga keno na pusa na pembeni na bunda po lobby mboka elongwa na maboka bokipa yango toye liboso na bino po ete toyebisa bandeko nyonso bazali libanda ya mboka pe na kati ya mboka ke biso tokolemba te ndenge tozomona bino pe bolembi te biso pe tozwa kolemba te toujours tozaka bendele za likolo président Eli Martin Fayulu na salue bino na ndenge bozotika biso te yango biso pe tokozalaka sima na bino po toyebi ke bino boza fort boza makasi biso pe tokolemba te tozaka na kati ya lit ata bagrese biso ata basali biso ya nyonso bango balingi
tour oyo plus jamais tokotikela bangata inert ditate ya ko boma lisuba congolais ya ko détourner ba bien ya Congo yango to lobby to zakaka na kati ya lit mbote mbote na ba diaspora bo soutenir biso commando na bino yeyo aza toujours en vie malgré balinga ba enchaîné mais na ngolu ya nzambe pe ya président Eli Martin Fayulu aza en vie bo lemba yete to za na kati ya lit po to tendre objectif ya combat na biso merci. Merci mingi toza bongo na lemba na ozo rappelé bino na iCanal télé na ozala mo mukuse na ebite soki za na message o ya suka o boko pesa na ya soutien to eloko moko boza bosenga iCanal télé za na bino ndeko Cedric soki okoloba eloko moko par rapport ya ndengo za na ndaku bosenga eloko moko ezali soki okoloba bayimbo ka bazolanda yo na ba oto babundi na yo o bazobunda na yo bazolanda yo na niveau libana ndengo lobi soki message ezali okoloba pesa bango. Ouais, message ça kaka que tozo senga ba soutien et pa ba ndeko na biso nyonso tout ou bazana posa mboke le kana elongo na mboka bokipan ba soutenir biso ba auto zakana ba ngona lit talanga lelo likame kweli ngai beza vraiment ya passi eza ya passi na senga ba soutien pa na bino bo ide ngai na o nyonso tout bokoza na ngo conseil tout ça nyonso tout na vraiment na posa lisungi pour likambo kweli nga na komba. Et quoi, il y a vraiment un champ de bataille. Et là, on est dans une massacre semi-balé, ça facilite aujourd'hui une massacre dans ma colo. Mais tout le monde combat, tu as toujours. Tu as toujours un combat pour eux, tu as une équipe à ma casse. Tu as allé, tu as allé toujours un front pour na marambo et tali mboka. Merci vraiment, Mingi, mon pensé sango. Merci, merci, Bandeko. Tu sais, Peli, tu as un peu de et iCanal télé toza wana pembeni na bino merci mingi na ba nyonso bazola na biso boyo kimbele ya mwana mboka bo nyonso tu bazali na eloko ya kwa, ya kupesa to ponde ko azala etabli po bomoni kina etaza ezo singa kaka bino ba nyonso tu bozo bunda bo kuba bongo na kosunga ndeko na musika to na pembeni na nzela ya iCanal télé bosala tokozala awa na bino ndenge na sote évolution ya ndeko bokomona yango. Merci mingi na ba accompagner biso na sima ya caméra na moni bongo je sens tunda na Christian Vula et na bandeko nyonso bazola na biso ba diaspora nyonso o bazana na opposant to na majorité o ya za mwana mboka o yelié ezali azobunda pona changement ya mboka ndenge boyokie et merci mingi na ba nyonso tout bako tia maboko pour mwana mboka ase rétablir et toko tonda bongo kaka matondi mingi botika mwana mboka te likamo ekwe lelo et bawo bazobunda mba bitumba oyo boko bana kobunda ezali bitumba ezalaka bongo oyo atelemi ya kwei me bawo bomsuba za batika kate matondo mingi na iCanal télé et à la prochaine. Voilà comme to tikoloba bomoni bino moko boyoki ba cri d'alarme boyoki c'est pourquoi tout titre ngo iza SOS izali boya au secours nandeko hein bandeko ya diaspora bandeko congolais nyonso sika ozali yaka au secours nandeko nayo mutu oyo tala mona ingambe mobali boye situation oyo ekomi lié na vie ya Congo tango so abanda kobima na tongo ne fils que pour na vie na ye abima akine ba cop na ye pour Congo ba vivaka na ba cop moi cop pour zonga aller sa moi tant sous bandeko na inanda ku bien nini ou bien yemoko amisombela moi chemise nini akoki sou ko bima bongo te ba sidicié possibilité ya bosala bongo donc vraiment iCanal télé ezako senga bino bo tchali boko à la patte comme on dit bo tchali boko na poche bo edende ko na biso bouza na numéro na ye yango ezo défilé awa bo benga ye soki Western Union soki na RTL moyen nyonso oboko tindele mbongo botinda en tout cas biso iCanal télé pe toza na enveloppe na biso tokotinda comme compatriote parce que toza na passe na eloko comme lié biso iCanal télé comme télévision tokotinda o ya biso enveloppe. Mais na lingi bino bana Congo c'est pourquoi to sali moi émission yo eza mulayi mingi te to lingi yango d'abord 1
bo panza yango puna bolingo ya nzambe bo panza émission oyo ekomela mutu nyonso congolais nyonso comme ça à partir ya wana chaque congolais akolanda émission oyo naza sûr que nzambe ko beta ina mutema a intervenir na vie à mon balio. En tout cas, ça n'est fini donc pour cette émission que j'avais qualifiée de spéciale. Émission Ezala qui moi spéciale. To ya ki kaka poto pesabino nene annonce oyo. To biso i canal télé to simbi yango. To zali ba saleli ya lamukate. To zali ba saleli ya UDPST. To zali ba saleli ya Congo. To zali pi ba saleli ya PPRDT. Ya ensemble ya Katumbi te. Biso esika Congo ezana pasi i canal télé azu pasi esika kan i canal télé ezana e Congo ezana esengo i canal télé azu esengo nde service na biso oyo toye ko pesa lelo espace na biso ya i canal télé pona ko lela bino bana Congo boya au secours SOS na biso to tindi yango pona mona Congo nyoso d'abord ko partager émission oyo pour écomer la chaque congolais et puis dès que zui émission oyo ça la geste zoa numéro zoa téléphone na yo benga ndeko na yo o ça la geste wana en tout cas ça sera apprécié même au ciel. En tout cas, on ne veut pas être long, c'était juste une émission spéciale pour te pesabino essentiel oyo. En tout cas, j'espère que message est l'équi et que ndeko na biso Cédric Mangungu ako boko tchaye na situation biso nyoso to tchaye na situation azonga hôpital azwa ba soin azwa pe moi eloko ya kolia parce que moyen bima ezali sou te moyen sala musala ezali te il faut biso bande ko nae bana Congo to ba ko soutenir batu ya boye batu bazo bunde la mboka mutu oyo azui situation na front comme yemo ko lobby. En tout cas na suki wana bino moko sikoyo bo méditer vidéo oyo bo sala la bonne chose, agissez, posez le bon acte et sera vous sera rendu au centuple. Je vous remercie. We'll be right back.